zappé le fait de me faire de la boisson. He's miles away by now. Let's finish, Sergeant. Is that you? That's the one. Okay. That's one down. Check the area. J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde chez Bobin. Bobin. Where'd he go? He's still in the area. He's still in the area. He's gone, not our problem. He's gone, not our problem. Ils sont assemblés, ça va pas. Je vais me faire avoir. Voilà, j'ai réussi à les avoir. Et je pige plus rien. Bon ben on continue. Il y a des mecs non armés, c'est bon, je peux me promener. Oh, c'est bon ça! Faut assommer les mécanos. Thank you.
raté, j'ai merdé parce que je me suis fait repérer, mais... C'est bon à savoir. Ça va pas y manger. Ils m'ont vu, je l'ai dans le cul. Il y a un bug avec l'intelligence artificielle. Le mec, il a une absence. Attendre que le mec se pointe. Nickel. Là, je vais me promener tranquille. Ah, il faut que je prenne mes gélules, moi. Il faut que je suive mon traitement médical pour calmer mes nerfs. Merde, je vois rien. Il y a une telle obscurité que je vois rien.
Okay, let's do the paperwork on this one. Ah, la voix est excellente. Pour l'époque, l'enregistrement de la voix est parfaite. She remarkable. C'est un bon truc, je sais pas. I could have sworn. Là, tu dis no. Oh, that's the one. Okay, drop it. That guy. Definitely somebody. Watch yourself. This one's some kind of man. Okay, let's do the paperwork on this one. Dommage. Pourquoi la matraque est pas assez télescopique? Pourquoi? Fire here. Ah, ouf, fusil d'assaut. Ça calme. Non, celui qui se pointe, il verra rien. Quoi? On va réduire. Oh, mais ils ont mon goût, G12. Coca-Cola, Coca-Cola, Nuke. Oh. Alors, InfoCube, les robots de Janine, généralité, porteur de paix, bravo 3 Page. Le porteur de paix, bravo 3 des industries Page, est un robot de patrouille et de sécurité d'un prix abordable qui associe un châssis bipédale. Et une mitraillette à refroidissement par air utilisant des munitions de calibre standard autant 7,62-51 mm. Bien que son intelligence artificielle soit limitée, il est parfaitement adapté aux besoins de la plupart des forces de sécurité conventionnelles et des forces militaires, et a été déployé avec succès dans des zones aussi sensibles que Hong Kong, Chicago, New York, Buenos Aires, New Delhi, Moscou et Paris. Comme la presque totalité des robots conçus pour manœuvrer en environnement urbain, le Bravo 3 ou Bravo 3 utilise un système d'imagerie radar SIR pour sa perception situationnelle. Mais contrairement au précédent modèle de la ligne porteur de paix, il est équipé d'un processeur de signal en aiguillon pour le verrouillage de cible. Les organisations ou services dont la sécurité requiert l'intervention d'armements robotisés plus lourds se tournent plutôt vers l'idéal porteur de paix Delta 2, équipé en série d'une armure plus puissante et d'un lance-missile. Ça calme tout de suite. Ça calme. Mais il faudrait que j'assomme en retour les mécanos parce qu'ils ont plein de trucs sur eux. Oh, c'est bon quand je gagne, c'est bon. Des voisins. Ah, ça active les... D'accord. C'est rigolo. On s'amuse comme on peut. Be ready, c'est mon dada do do day. Modification de l'IA du robot.
avec un peu de chance, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je croyais qu'il allait passer son chemin et que j'étais pas détecté. Non, c'est con. J'ai cru que j'étais blanchi là pour le coup. Enfin, incognito. Quelle déception. Quelle déception dans la rue. Je vois celui qui est là, mais l'autre il s'est fait buter ou pas? Apparemment oui, mais je le vois pas. Attends, c'est quoi cette merde? Il est passé où le con? Je comprends pas. Bah. Je fous du grave jeu de musique 12, c'est la honte pour eux. C'est la honte, c'est la honte. C'est la honte, c'est la honte. C'est la honte. Oh, ça fait une mini explosion, dis donc. C'est rigolo ça. Alors, InfoCube. Hé, Martin. Il y a eu une grosse pagaille à la sécurité et tous les codes ont été changés jusqu'à nouvel ordre. Ce sont les consignes d'un mec que j'avais jamais vu auparavant. Un genre d'agent. Le nouveau code de l'armurerie est 2971. Mais ne le crie pas à la ronde. Je te le donne juste au cas où les robots s'énervent à nouveau. La dernière super amélioration a l'air un peu instable. Et l'instabilité appliquée à ses flingues à roulettes me rend un peu nerveux, Peter. 2971. D'accord, y'a rien. You've got be nothing around. Oh, j'ai des codes d'accès, mais je pirate. I'm the best. Ouh, il est rapide celui-là. Ajouter au prout. Non, ça va.
Armurerie, statut opérationnel, armement commando. Non, j'avais déjà lu ça. Je sais plus. Ouais, ça j'avais lu. Oui, non, j'avais lu ça. Alors, InfoCube. Ok, puisque tout le monde se plaint de devoir retenir tous ses logins et mots de passe, je l'ai donc installé des digicodes pour les portes médicales et les portes de l'armurerie afin de vous rendre la vie un peu plus facile. Le code d'accès de l'armurerie est 8138, ne l'oubliez pas, Peter. 8138, ah putain. Faut tout retenir. Oh mon dieu, c'est la carte du monde. Sérieux, ça rime à quoi? Hein? Ah, c'est des cellules! Oh mon dieu, c'est là où on est rendu prisonnier! Oh! C'est rigolo! Oh putain, c'est bien fait! Alors, le code de l'armurerie, allons-y. 8038, c'est parti. Allez, 8038. Youhou! Merci, Peter. C'est moi ou c'est des caméras? Non, c'est des nids. Oups. Oups, oups, oups. J'arrive pas à identifier ce qui me fait face. Oh merde. Apparemment c'est une très très grosse cochonnerie. J'avais pas des ainsi. Ah oui, parce qu'il y en a... Ok. C'est pas comme s'il y en avait qu'un seul. Non, il y en a plusieurs. Sinon, ce serait pas drôle. Oh la vache. Ce moment où il y avait le rayon.
Just nerves, I guess. Mais je fais comment pour rentrer là-dedans? Ça peut être drôle la TNT sur le... Il est con. C'est vrai, si je le loupe pas, ça peut être très drôle. Hein. Il serait où ce couillon? C'est bien, il fait trembler toute la structure là. Ah, il est bloqué là, ce gros con. Pour parler poliment. Hop là. Bam 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 bam. Shakalaka boom, shakalaka boom boom boom. Voilà. Il y a des trucs, ça va être drôle. Ça va être drôle. On va attendre qu'ils reviennent et oh, boom. Parce que d'ailleurs, si je vise bien, je fais les deux en même temps. Même le désactiver, je le nique. Une grosse explosion, une grosse explosion. Aïe, mon beau East Capote. Hop, attends le bon moment. Je crois que c'est le bon moment. On essaye. C'est bon, ouais.
Bon, moi j'aurais essayé. Oula, je vois que Buick. Oh là là, je vois des choses. Oh mon Dieu, je vois des choses merveilleuses. Putain, ici, dans l'est. C'est un fusil à plasma, le truc, c'est pas possible. Je dois avoir le code à mon avis. Alors, on a un modificateur d'un plan au labo de nanotechnologie. Non, je suis pas dans le nanotechnologie, c'est pas celui-là. Merde. Ah, attends. Tentative à rentrer dans la planète. Ah merde, non, ça j'avais déjà. Non, merde, j'ai pas le code. Ah putain, fais chier. Je trouverai ailleurs le code. Un décodeur, j'en ai 4. Qu'est-ce que je fais? Je grille ma cartouche. Ou je reviendrai à. Sécurité. Ok. Ah, mais c'est ce qu'ils m'ont confisqué. Mais je pourrais pas dire quoi.
mais j'arrive pas à l'atteindre. Quoi? Fusil à lunettes. Alors, nous avons quoi? Lacrymos, fléchettes. Ça, c'est pour l'extérieur, c'est ça? Ah bah, j'y reviendrai après. Hein. Je ne suis pas pressé, voyons. I've found your equipment. Merci, ma couille. Et vers l'histoire de l'Ivan. Alors, il y a des rats dans l'armurerie, des rats encore. Nous devons faire face à un problème à requis. La phase des dégâts. Le code de sécurité 3512. Va là-bas, essaye de les éliminer. J'en ai assez de ce problème. Je vais revenir ce soir pour me prendre un chat. Espérons que cela résoudra ce problème de rongeur pour l'avenir. Je crois que je vais l'appeler Joe. Cordialement, Caporal Miles. Ah oui, c'est le chat que j'ai retrouvé dans les conduits. Il devient fou le bouche. Les 3512, c'est toujours encore. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Elle est pleine et mille. Fusil plasma. Ah oui, c'est le. Oh là là. Ah bah, 52-39, merci. 52-39. Voilà, autant dévaliser le MJ12. Oh merde, j'ai pas de place. Ah oui, mais ça, j'en ai rien à battre. Oh putain, j'en ai 41. Chevrotine, mais je m'en fous un peu. Chevrotine aussi. Remarque, il prend 3 trucs, mais. Petite biche, je m'en fous. 10 mm, je m'en fous. C'est la mienne, hein, on est d'accord? Ouais, apparemment. C'est celle que j'avais optimisée. Ah non, pas de visée laser, pas de... Oh merde! Mes améliorations, j'ai dans le sillon. Oh merde! Oh, vous faites chier! Oh, les salauds! Mais c'est quoi, ça? Oh, putain! Alors, chargeur plasma, 12 plasma, blablabla... Lunettes, non. Une arme expérimentale dont il n'existe actuellement qu'une série de prototypes. Le fusil plasma surchauffe des cartouches de plastique amélioré magnétiquement et accélère la propulsion du mélange liquide gazeux par le biais d'aimants linéaires. Le flux plasmique résultant ainsi. Enfin, le flux plasmique résultant est aussi destructeur pour les cibles molles que blindées. Chargeur à plasma. Un chargeur contenant des cartouches de plastique. Extrudés magnétiquement amplifiés qui peuvent être chauffés et ont un effet dévastateur lorsqu'ils sont tirés avec un fusil plasma. Chaque cartouche renferme un petit dispositif d'impulsion électrique en son centre. L'idée étant que l'enveloppe extérieure surchauffée permettrait la formation d'une série de fragments pouvant pénétrer l'armure ciblée, même si celle d'un robot de grade militaire, le neutralisant sans affecter l'électronique avoisinant. La complexité et le coût de ces cartouches font quand même très difficile à trouver, même sur le marché noir, blablabla. Alors, ces mauvais garçons n'ont pas encore trouvé beaucoup d'utilité sur le terrain, mais tous les tests ont montré que ces cartouches se répondent à travers une grande quantité d'armures de combat, les faisant fusionner à leur propriétaire, Sam Carter. Voyons. Ouais, bref, c'est un bon joujou, quoi. Ouais, mais là j'ai quoi? Ah, caisse métallique, machin, je sais pas quoi. Grenade, soda, pistolet furtif, bonbonne, machin. Ah, décodeur, c'est important.
je vais désactiver la caméra parce qu'elle finit par me les briser. La caméra, elle me les brise. Hop là. Mini papillon. Pagnon, pagnon, il fait des bêtises. Passe-partout, de la bouffe, grenade, caisse militaire, je sais pas ce que ça me donne. Grenade jumelle, ah oui, des jumelles, c'est important. Nano Lidaman, une miniature, nano Pota. J'ai déjà une place. Alors attends, oui, oh, le fusil plasma. Est-ce que c'est le mien? Lunette 8, c'est insulte. Putain, mais j'ai l'impression que toutes mes améliorations, je l'ai dans le pistolet. Attends, dégâts théoriques plus 20%, ouais. Recul moins 20, machin. Oui, c'est le mien, ça. Visée laser, lunette. Ça, c'est bien le mien. C'est bien mon pistolet. Qui m'ont confisqué les salauds. Ah, tu me diras, non, j'en ai pas besoin là, mais. Accessoires de silencieux, accessoires de portée. Et alors celle-là, elle est personnalisée ou pas? Visée laser, lunette, oui. Oui, c'est la mienne, voilà, améliorée. Plus 10 de portée, plus 10 de précision. Moins 28% de temps de rechargement. Précision théorique, plus 21%. Dégâts théoriques, plus 20%. Voilà, c'est la bonne bordel qui fait mal. Accessoire de portée, oui, bah ça va être l'arbalète. Hein. Si je peux tirer de méga loin, je vais pas m'en priver. Et lui, je l'avais pas amélioré. Ouais. Je vais pas tout prendre. Ça va, les Gilles se prive de rien. Ouais. Attends, les torches, c'est les 50 torches. Oui, les 50 torches qui m'ont volé. Ah, le Zim, bah, c'était le mien, le Zim. Ah, oh, d'accord, ok. Ok, ah oui, je retrouve mon matos, là. Ah, bah, celui qui s'est fait buter, c'est lui. Fusil d'assaut, machin. J'en ai rien à foutre du fusil d'assaut. Hop là. Ah bah c'est peut-être le mien. Non. Ah voilà, recul précision, moins 30, précision, ouais. Lunettes 8. Mais avec un peu de chance c'est le mien, j'avais dû prendre un standard. Donc il a dû y avoir une... Ah oh, oui. Il a dû y avoir une oui. Non. Il a dû y avoir une oui, non. Ah les terribles oui, non. Voilà, merci.
merci. Alors, en même temps, il y a quoi? Il y a quelqu'un qui allait vous faire voir. Allez vous faire rincer, mes sagouins. Non. Plus bas de munitions. Ben, je suis con, j'ai un robot qui peut me réparer. Encore que non, je suis pas sûr. Je m'avance un peu trop. C'est bien. Oh, ce bordel OMG 12. Ça va poser problème. Sauf si je les provoque. Parce que j'ai activé la mitraillette. Attends, j'ai le truc biologique là, je sais pas quoi. J'avais pas une grenade biologique moi. Oui, grenade virale. C'est quoi en fait? L'explosion d'une grenade de type gardien entraîne une attaque polymorphe à bande large sur surface réduite qui déstabilise les fréquences de contrôle à la plupart des robots. Ah, d'accord. D'accord, c'est pour désactiver un robot. Je pensais que c'était un virus vilain, quoi, comme la peste grise. Enfin, tu me diras, c'est un peu con, parce que c'est comme la Covid-19, ça tue pas instantanément. Oh. Alors il se fait buter ou pas?
Ah non. Alors j'ai pas pris le bon chemin. Parce que normalement il aurait dû se faire descendre. C'est dans Robot Maintenance qui serait buté. Ça marchait ou pas? Oh le con! Oh merde, je pensais que j'allais atterrir à l'étage intermédiaire moi. Mais quel abruti! Putain, le saut de l'ange, hein? Bon, mais comme un caca. Oh mais quel con! Pas du coup. J'ai pas l'impression qu'ils me suivent. Ah merde alors. Whoever's up, watch out. This one's some kind of mess. Effectivement, ces cons explosent. Ils ont un système d'autodestruction pour pas être analysé en fait. Mais c'est bon ça. C'est très très bon. Presque. Je sais même plus si j'ai sauvegardé, non. Merde. Si j'ai sauvegardé, mais qui est con. Gotcha.
moi ou il s'est fait buter? J'ai ramassé des trucs dont j'en ai rien à battre. Voilà, ça c'est fait. Il y a beaucoup de monde au centre de commande. Oh bah merde leur. J'ai cru qu'ils avaient tous pris congé. On aurait pu croire, non? Eh ben non. Je me fais guaquer. Yo, ma couille. Il fait mal, ça. Alors, il y a un scanner. What? Oh, putain. That's the one. Okay, drop him. Carnage toi. C'est le bordel OMG 12, la la li la la la. Moi je dis c'est une armée de tantouses, la la li la la la. Putain les fibres armes, c'est un point. I have nothing. Nothing.
Alors j'ignore où nous sommes, mais nous y sommes. J'ai mes deux. Mais j'ai pas encore compris par quoi. J'avais changé le comportement des robots. Je comprends pas.
Il y a des moments où je ne comprends point. Il ne comprend pas, il ne comprend pas. J'ai voulu interroger quelques individus, mais je ne pourrais pas. Bon, allez, je vais me coucher. C'était bien comme partie, mais je la continuerai plus tard.